est tout mouillé. Bah oui, qu'il est tout mouillé. La gourde s'est renversée dans le sac où il y avait le porte-monnaie, où il y avait de l'argent. Sinon, on retourne à l'hôtel et on fait sa cheveux. Mais il y a cela aussi. Bah, c'est plus clair, c'est pas grave. Oui, mais c'est trop. Les pièces là-dedans. Ça, ça irait. Ouais, bah, les pièces, elles vont rien prendre. C'est ça qui est chiant, quoi. Bah, laisse, on va le mettre dans un coin. Ouais, bah voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce quatrième jour. Et vous avez vu, Francky a inondé le sac à dos parce qu'il n'avait pas fermé sa gourde. Donc du coup, bah, heureusement que j'avais pas tous mes trucs électroniques et tous mes câbles, mon Osmo, mon appareil photo, etc. J'ai décidé aujourd'hui de prendre mon sac à dos. C'est une bonne chose. Du coup, par contre, juste mon porte-monnaie, il a pris, mais on a séché les ventilateurs qu'on a achetés. On a séché les billets avec les ventilateurs qu'on a achetés. Ouais. Et du coup, ça tombait super bien. Donc, parfait. On a pu sécher nos billets de 50, comme vous l'avez vu. Aujourd'hui, il a plu, il fait couvert, mais c'est pas dérangeant. Comme ça, ça tape pas sur la tête, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On balade. On balade. On balade au hasard, encore. Comme tous les jours. C'est ça. Cochon pour Malik. Le chat, il a l'air chiant, mais d'eau. On va goûter. On va se faire trop goûter. Il y a des moitiés-moitiés, on peut faire moitié-moitié. Ouais. Le tien, il est plus photogénique. Ouais. Vas-y, moi je m'en fous. Attends. Je frappe direct. Oh, ça c'était cool. Et c'est un steak. Toujours en train de monter, hein. C'était très bon. Hein, mais bien manger. Là, c'est moins bon. Hein? Là, c'est moins bon de moi. Là, c'est quoi? Ouais. C'est moins drôle? Moins bon. Oui. Parce qu'on est en train de monter. Mon Dieu, elle est pas à chaque fois que ça emporte. Mais on monte, quoi. Il y a les cyclades au sol. Qui? Ton ventilo? Ouais. Trop bien. J'ai encore mangé avec mon ventilo. Posé sur mon appareil. Oh putain, t'es sérieux? Tu m'as dit qu'on pouvait passer par là. Ouais, là il est là. Ok. Donc en fait, on va. Un café, c'est un café, un bar. Du truc de Benji qui va regarder cette vidéo. Et on y va. En fait, c'est lui qui fait notre voyage. Hein. Ouais, c'est bien. Comme ça, non, quand même. Il nous donne tout. C'est voilà. Un esclave. Donc, on fait ça. Enfin, moi, il y a une belle vue. On va prendre café là-bas. Et ensuite, on va. C'est sur la continuité du chemin. On va voir une église. Et ensuite, un jardin botanique. Ah putain. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on se rend compte comment ça? Non, on se rend pas compte, c'est fou ça! Mais c'est en travaux avec des machines. Non? Mmh. Avec des machines. Il y a beaucoup de travaux. Construction. Ouais. C'est ça son truc?
C'est ça? On dirait un petit truc de... de chicot. Mais il est déjà allé? Au soleil, quand là, tu meurs. Hein. Bah oui, il faut aller à l'ombre. Tu veux prendre un café? Je veux prendre un café là. Hein. Tu veux un café? Je pense que là, on sera mieux que là-haut. J'avoue. Bah lui, parce qu'il boit des cocktails et tout, non? Ouais, pourquoi il n'y a pas d'air là-haut? Ouais, j'avoue. Bon bah désolé Ben, mais on penche plutôt pas. Oui, la vue elle sera plus belle d'ici. Voilà, on veut aller au kiosque en fait. Faut te faire foutre Ben. Le bourgeois. T'as vu en bas? J'avais pas vu qu'il y a un petit jardin. C'est beau. On est de retour à l'hôtel depuis un moment déjà. On est allé à la piscine et tout, ça fait trop du bien. Et du coup, en fait, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup, j'avais montré ça sur Instagram, mais du coup, je l'ai montré ici pour les personnes qui me suivent pas. J'ai acheté des petits ventilateurs comme ça, très utile. Et moi, j'ai acheté celui-ci, super utile. Vous connaissez celui-là que j'ai acheté sur Amazon, je pense. Voilà, celui-là il est génial, ça c'est mon préf, je l'aime trop, il fait brumisateur et il vaut vachement le coup. Du coup, dans la même boutique de cette boutique-là, hop, avec la vache là, où j'ai acheté ça, bah, tout vient de là-bas en fait, j'ai acheté un câble comme ça pour mon téléphone, mon iPod Touch et pour la Switch, donc ça fait pour les trois. C'est cool, ça coûte pas cher, je sais pas si ça va durer dans le temps, mais en tout cas ça dépanne, parce que le mien il est en train de mourir là. Ensuite je me suis pris un petit bandeau comme ça, serre-tête, bandeau, que j'aime beaucoup, il est trop beau, il est en blanc et en noir, blanc je pense pas, mais noir ça peut être cool, donc je vais voir, je sais pas si on repassera en tout cas. Et ça j'ai acheté pour les enfants, pour les deux petits monstres, et j'ai pris les mêmes, à chaque fois je leur en prends, enfin j'en ai déjà pris. Parce que vous savez, chez moi, j'ai des Moni Moni que j'ai acheté au Japon. J'en ai un goût d'étamin. Et c'est pareil, c'est un peu truc un peu, vous voyez. Et j'ai pris le même pour les deux. Comme ça, il n'y a pas de dispute. Et il était mignon, celui-ci. Les autres, c'était un peu chelou. Des lapins, mais on dirait que c'était des lapins vénères. Et c'était 2 euros, ça. Vraiment, pas cher. Donc, ils vont être contents. Parce que j'en ai ramené de Taïwan. Ils en avaient deux chacun, mais des petits, comme Goudetama et tout. Mais ils les ont perdus, voilà. Et que je vais emballer dans un petit truc comme ça. Et c'est tout ce qu'on a acheté. Bah ouais. Pour acheter. Oui, bah c'est tout pour les achats. Pourquoi tu fais brancher mon ventilateur ? Bah pour montrer. En fait, il a un socle aussi. Fais ça. Tac. Donc tu peux le poser.
Et ça se recharge par USB, USB, voilà, c'est par batterie, il n'y a pas de pile ou quoi, et ça c'est super bien. Bon, on est sorti pour manger. Franck a trouvé une petite adresse sympa. Ça a l'air sympa en tout cas. Ça a l'air sympa, ouais. Donc c'est de la viande grillée, poulet, saucisses, ribs et tout. Et là, hop, vu que c'est hyper petit à l'intérieur, on mange ici, dehors, parce qu'il n'y a plus de place. Ça s'appelle comment? Il n'y a pas de... C'est vers l'adresse, là, 36. Ouais. Enfin, c'est là. Trop sympa. C'est ça? C'est fatigué. Hein. Ah, il est fatigué. Ouais, l'enseigne est fatigué. On est Inspira National. C'est ça? Ouais. Et nous, on se pose ici, tranquille. Au moins, on a de la place pour se poser. Et on est à la fraîche, il y a du vent. Donc, première tournée. Ça fait une lumière chelou. Saucisse, ribs, et puis on attend le poulet. Quoi. Il manque un demi-poulet. Il manque un demi-poulet, ça c'est ta sauce piquant. Ouais. C'est de l'épimenté. Ouais. Et Franck, il a pris un petit riz, et moi, j'ai pris une salade aux tomates. La base, quoi. On est bien là, dans cette petite rue. Et après on va aller à la glace encore, manger des glaces. Ça c'est juste en bas de la rue, donc c'est super cool. Tu peux frapper ça au calme. Je frappe au calme, j'ai c'est pas très faim. C'est un petit goût mignon en plus. Un petit goût mignon. Ouais. C'est un petit goût mignon. Je suis au bout de ma vie. On a bien mangé et elle nous a rapporté du rab. Et du coup, bah, faire honneur, on a dû manger et se forcer. On a eu une saucisse en plus c'est des saucisses, vous savez c'est écœurant à force. Et une salade de tomates et de pâtes. Voilà, on est full, on n'en peut plus. Mais on va peut-être manger une glace, ça va être notre petit rituel du soir, c'est sympa. Mais je pense qu'on reviendra. Si on ne sait pas genre quoi manger, on sait qu'au moins ici, la dame elle est cool. Et on mange bien en tout cas. Ça bon. Peut digérer quand même. Ouais. On est sur une glace Oreo avec de la crème chantilly maison qui est méga bonne dans notre petit parc. 3 jours de suite. Ça t'as pris quoi? Un peu noisette, chocolat noisette? Tu vas où? On va voir Pierre. On était là-bas. Ouais. À la salle. Hein? Tu te mets là? Comme tu veux. Tu veux te mettre là?